pour nous, c'est un moment de joie exceptionnelle qui fait que on a accompli ce que notre tradition juive nous dit, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauve l'humanité tout entière. L'espoir, c'est qu'on va continuer à être heureux quand même aujourd'hui pour savoir peut-être est-ce qu'une porte ouverte vers les négociations et vers un projet, j'espère, qui va réunir les deux peuples unis du même père, mon grand-père Abraham. Il y a eu à la fois, bien sûr, la joie et à la fois l'attente d'être sûr que jusqu'au bout, la libération allait être effective. Ce bouillonnement de joie était un petit peu tempéré par les commentaires que nous avons et le ressenti de voir à quel prix on libère cet otage en retrouvant finalement dans la nature plus de 1000 terroristes qui ont du sang, pour beaucoup d'entre eux, du sang israélien, du sang juif dans les mains. Et je crois que c'est un prix très cher et qui était nécessaire.